Salut les curieuses et les curieux. Aujourd'hui, épisode un peu spécial. Il est vrai que ces derniers temps, j'ai moins diffusé sur ma chaîne. Les aléas de la vie ont fait que ma créativité a baissé depuis 2 mois. Et la crise sanitaire n'a pas été d'une grande aide dans mon activité créative et culturelle. Mais pas d'inquiétude. Je suis sur le retour et j'espère que vous êtes, vous abonnés ou simples curieux, dans l'attente de nouveaux contenus sur Graines de Savoir. Je vais donc, pour débuter ce nouveau départ, parler de moi, de mes passions et vous faire découvrir de nouvelles choses, s'éloignant légèrement des sujets déjà abordés. Je suis donc Guy-Emmanuel Naudon de Montbaron, alias Cusa, au sein de la chaîne, mon nom d'artiste, si vous voulez. Je suis un enfant des années 80, même si je suis né à la fin des années 70. Je suis trop jeune pour avoir vécu les décollages des missions Apollo et les prouesses des débuts de la conquête spatiale, mais ma naissance coïncide avec les débuts des missions Voyager 1 et 2. J'ai également connu et vu en direct l'une des plus grandes tragédies des missions spatiales habitées, l'explosion de la navette spatiale Challenger. Cet incident rappela au monde entier que même si la conquête spatiale est une fabuleuse aventure de l'humanité, les risques sont tout de même bien existants, et parfois dramatiques. Pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, malgré ma passion et mon travail en paléontologie, j'ai également les yeux et mes rêves rivés vers des contrées extraterrestres. L'évolution de la vie, la diversité des formes vivantes, la fabuleuse adaptabilité des organismes, m'ont toujours passionné et m'ont poussé à toujours en savoir plus. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'enseigne, je fais découvrir le monde qui nous entoure à travers le vivant et la compréhension de nos origines. Mais cette compréhension ne peut être totale si notre esprit ne s'évade pas plus loin, au-delà de notre atmosphère. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. À travers le vide et le néant, à la recherche de la lumière. Cette lumière née des étoiles et qui nous offre l'énergie nécessaire au développement de la vie. La connaissance de notre univers nous permet d'élargir notre vision de la vie et même sur notre propre existence. Il nous met irrémédiablement à notre place quand on se confronte à son immensité et à sa diversité. Son âge également nous donne le vertige. Plus de 13 milliards d'années d'existence, du Big Bang à nos jours. Et comme la vie sur notre planète, il ne cesse d'évoluer et de se diversifier en créant de nouveaux mondes dans un cycle incessant de vie, mort et de naissance d'étoiles. Nous sommes le fruit de cette incessante roue du cosmos qui a depuis le début multiplié les nouveaux éléments chimiques au sein des étoiles
permettant l'élaboration, sous certaines conditions, des matériaux organiques nécessaires à l'émergence de la vie. Cette vie qui, aujourd'hui, pour une grande majorité d'entre nous, n'est possible que sur notre mère, la Terre. Car avec les sondes Voyager et d'autres, nous avons exploré notre système solaire et découvert de fabuleux mondes faits de roches, de gaz et de liquides. Mercure, avec son sol ressemblant à la Lune, sans atmosphère dense, et un jour sous des températures extrêmes dépassant les 420 degrés Celsius. Vénus, ayant quasiment la taille de la Terre, avec son atmosphère très dense, plus de 100 atmosphères terrestres, une température de surface de 460 degrés, atteint essentiellement par l'immense effet de serre dû à la densité et à la composition de son atmosphère composée à 96% de dioxyde de carbone. Mars, plus petite que la Terre, mais plus grande que notre Lune. Elle se situe juste derrière la Terre dans la ronde orbitale des planètes. Elle possède une atmosphère, mais comme Vénus, essentiellement composée de dioxyde de carbone. Et de plus, cette atmosphère est plus ténue que la Terre, plus de 90 fois moins dense, mais il y a de l'eau, mais jusqu'à maintenant connue sous une forme solide, due aux températures négatives et à la densité atmosphérique. Car, lorsque épisodiquement les températures deviennent positives, l'eau se sublime, passant directement de solide à gaz. Ah, Jupiter, le dieu des dieux pour les Romains. Et ce n'est pas pour rien que nous l'avons nommé ainsi. C'est le colosse de chez nous, une planète géante, gazeuse, comme on aime le dire, même si, dans les faits, ce n'est pas la réalité. Mais il est vrai qu'elle est recouverte d'une grande atmosphère, épaisse, composée d'hélium et d'hydrogène. Mais si on s'enfonce dans les profondeurs de cette planète, nous rencontrons un océan gigantesque, d'hydrogène liquide, avec des pressions colossales et des températures élevées, sans comparaison avec ses températures de surface de moins 160 degrés. Sans oublier une couche d'hydrogène métallique, puis rocheuse, plus en profondeur. La fabuleuse Saturne et ses magnifiques anneaux, visibles avec des télescopes depuis chez nous. Elle aussi partage des conditions analogues à Jupiter. Et elle est la deuxième sur le podium des tailles des planètes de notre système solaire. Uranus et Neptune, qui sont elles aussi des géantes gazeuses, ont des températures encore plus négatives en surface et des vents violents, comme sur les deux planètes précédentes, sévissent dans leurs atmosphères extrêmes. Sans oublier Pluton, qui depuis plus de 10 ans a été, pour le grand désespoir de nombreux États-Unis, relégué au rang de simple planétoïde et non comme une véritable planète. Une très fine atmosphère recouvre ce monde glacé à plus de 4 à 7 milliards de kilomètres de notre étoile, le Soleil. La température de surface descend jusqu'à moins 240 degrés. L'étude des astres majeurs de notre système solaire conclut une chose qui nous donne un sentiment de solitude. Aucune vie extraterrestre n'a été encore découverte. Et pourtant, même dans les contrées au parvis de notre maison, l'espoir persiste d'en trouver. Bien sûr, peu de chances de découvrir des formes aussi complexes que sur notre Terre, mais des candidats de mondes proches, pouvant abriter une vie, par exemple, microbienne, passée ou actuelle, est possible.
Par exemple, Mars a, on le sait aujourd'hui, eu des conditions plus proches de celles de notre planète, quelque temps après la naissance de notre système solaire. Des mers, voire des océans d'eau liquide, recouvraient une partie de la planète rouge. Une vie passée aurait pu croître dans ces milieux liquides il y a plus de 3 milliards d'années. Et qui sait, peut-être que des organismes vivants ont pu trouver un moyen de perdurer dans le sol de Mars jusqu'à aujourd'hui. Des lunes de Jupiter et de Saturne peuvent également être des candidats abritant la vie. Car Europe et Encelade sont deux lunes possédant une importante surface glacée, renfermant en profondeur un gigantesque océan liquide. Sans compter Titan, qui malgré les températures de surface de moins 180 degrés Celsius, des mers, des fleuves et des rivières de méthane et d'éthane liquide sculptent les paysages glacés, permettant peut-être des associations organiques aux antipodes de notre monde. Et tout ceci est peut-être possible aux portes de chez nous. Alors, qu'y a-t-il plus loin ? Eh bien, dans le ciel nocturne, on peut distinguer les événements catastrophiques permettant une possible vie ailleurs que chez nous. Les nébuleuses. Ces nuages de gaz en expansion renferment les éléments nécessaires à la vie, fabriqués au cours de la vie des étoiles défuntes, et lors d'un dernier souffle de vie, expulsent leur matière dans l'espace. Elles y disséminent les briques du vivant pour de futures générations d'étoiles, et de leurs compagnes, les planètes, dans un processus d'accrétion. Ce processus dans lequel les forces gravitationnelles regroupent la matière des nébuleuses qui vont rallumer de nouvelles étoiles avec parfois des disques protoplanétaires qui feront naître un nouveau système et peut-être y voir apparaître une vie hétérogène à la nôtre ou peut-être homogène. Dans notre Voie lactée, il y a plusieurs centaines de milliards d'étoiles dont fait partie notre Soleil. Ce ballet d'étoiles est souvent accompagné de planètes. Et c'est sans spéculation que nous pouvons dire que le nombre de planètes dans la Voie lactée est supérieur au nombre d'étoiles. Mais l'univers dans tout ça, eh bien là, accrochez-vous. Il y a des centaines de milliards de galaxies renfermant des centaines de milliards d'étoiles. Je vous laisse imaginer le nombre de mondes possibles. Cela est étourdissant. Mon esprit scientifique me pousse à vous dire qu'on ne sait pas si la vie est présente ailleurs, qu'à les preuves formelles, nous ne les avons pas encore. Mais ma raison tient à vous dire que la vie est bien présente et sous des formes très diversifiées, disséminées dans de nombreux mondes de notre univers. Des civilisations, oui peut-être. Des milliers, des millions, qui sait. Mais je l'espère, un jour, nous aurons sûrement une réponse à ces questions. Et nous saurons peut-être que nous ne sommes pas seuls à connaître ce fameux engouement pour la découverte des mystères de notre univers. C'est aussi pour cela que l'intérêt pour l'univers, l'espace, est important. Pour trouver notre place dans ce monde qui nous paraît sans limite, mais qui nous fait sentir seuls et souvent perdus dans cette immensité. C'est avec un grand plaisir que je suis, avec engouement, l'avancée de notre conquête, ou plutôt, de notre avancée spatiale. Les ambassadeurs des limites de notre monde, comme Thomas Pesquet, sont des fabuleux viviers de connaissances, de curiosité, de passion et d'espoir pour le reste de l'humanité. Il n'y a rien de futile ou d'inutile dans cette quête, et c'est en explorant l'espace que nous réalisons la chance d'habiter notre planète bleue. Nous découvrons sa beauté, son unité, sa fragilité et surtout notre oubli généré par nos besoins qui nous ont poussés souvent dans l'ignorance à la modifier pour le meilleur et pour le pire. Notre avenir est ici, sur Terre, mais également dans les étoiles, en quête de réponses et sûrement de solutions pour nos générations futures. Je tenais aujourd'hui à vous partager ceci, pour moi, pour vous. C'est la soif de connaissance qui me donne envie de partager, d'aimer et de continuer à rêver. Alors ne vous inquiétez pas, il y aura toujours mes épisodes sur la paléontologie, mais de temps en temps, quand j'en aurai envie, je vous ferai découvrir de nouvelles choses, plus éloignées de mon programme habituel. J'espère que cela vous a plu
N'hésitez pas à vous abonner si cela n'a pas déjà été fait. Et je tenais à vous informer que pour celles et ceux qui veulent me soutenir, j'ai un compte Tipeee. Le lien est en description. Et si cela vous a plu, likez, partagez et surtout, que la curiosité soit avec vous à tout jamais.